tarbiya ramin kowa. Kira gare ku al'umma. Kira gare ku uwayena. Kunta la kol ayi taran daya maza. Kunta la kol ga daya mace ba tara amfani. Kuka hana in jela kol. Kuka hana in jara sa'a ta. Kuka hana imi kasa ta amfani. À cette époque, je ne pouvais pas rêver. Comme chaque jour, je faisais des travaux ménagers. Je ne pouvais pas souvent aller à l'école et je n'arrivais pas à suivre en classe. Dans mon village, tout le monde pensait que l'étude n'était pas nécessaire pour les filles. Et j'ai accepté cette situation même si je voulais étudier. Mais peu à peu la situation a changé. Zankagikira zaka. Dal boraisenu wal modoy boraisenu chewyo ngogo bur zanka menda mensi. Wadi sere kende gangsina lokolose. Edu mala kulu. Wadi seno ayin tabul banyan sola. Wadi seno inde nor barbir gine yende. Inni jama'a kul morgudu wa fa ko wai dungu lokolo bora kul wonno zan kai mo wonno oui école pour tous m'a donné l'occasion d'étudier et les rêves l'avenir auquel j'ai commencé à renoncer et en fait à ma portée.西アフリカには目ぼしい資源もなく開発が遅れた国々がたくさんあります。その中でも世界最貧国の一つと言われるニジェール共和国では2004年当時初等教育の就学率は 52%、 中でも女子は 40% にも満たない状況でした。L'école est faite pour les garçons. C'est ce que mes parents m'avaient dit que j'étais enfant. Comme moi, mes amis aidaient leurs parents tous les jours à la maison. Umata aiki gare mu da yawa da yawa na gida muna zuwa ice muna doka ruwa da daka aiki yayi mu na yawa da na gida sannan mu ta hidaji aiki yayi mu mata yawa dan saboda haka nan ba mu sa yara lafal aiki akwai da yawa babu hutawa. さらに学校でも教室が足りなかったり教員が休みがちだったりといった問題があり、親や住民たちは学校教育への不信感を募らせていました。J'allais à l'école, mais il n'y avait pas de table, ni chaise, ni cahier. En plus, l'enseignant ne venait pas souvent à l'école. À vrai dire, c'est pour ça que je n'aimais pas beaucoup étudier. À l'époque,Les salaires ne parvenaient pas à terme échu. Voilà pourquoi on était souvent absent. De toute façon, que ce soit pour les logements ou la nourriture, on avait des difficultés. On ne se mettait pas beaucoup au cours. Saboda rishin gane ma uwayen daya da lakon. Wasu uwayen daya sun jaye din su daga lakon.Muy mushire da lamarin amma wasu uwayen da ba su gane ba. こうした課題を解決するためにニジェール政府は住民と教員が一緒に学校を運営できるようにそれぞれの代表で構成された学校運営委員会の設置を教育改革の柱として推し進めました。しかしレコミテétaient monopolisés par l'autorité du village. L'opinion des parents et des autres membres de communauté ne se reflétait pas dans la gestion de l'école.
Ainsi donc, de ce fait, sans leur opinion, le comité ne fonctionnait pas très bien. 機能する学校運営委員会を目指して、教師や保護者、地域住民など学校を取り巻くみんなで学校を運営していくことを目指して始まったのが、みんなの学校プロジェクトです。プロジェクトではまず、委員選挙を民主的に行い、透明性の高い組織、学校運営へ住民が参加しやすい土台を作りました。そして次に、住民が実際に学校運営に参加できるような活動計画の作り方を指導。この活動計画では、住民によって選ばれた委員が中心となり、住民集会を開いて、より良い学校を作るために解決すべきことは何かをみんなで話し合いました。そして、自分たちにできることから取り組んでいったのです。Da ko sai ta shigo mun samu horo mun ka koyi kusafofi masu yawa wadanda kamar gina klasoshi na kara da sai mu yar kayan aiki bakin gurgudo sai muka samu mun ka biya sa bukatocin mu da kanmu bakan sai irsihin Kelas endir gicina, irgihin kelas dalawan gicina. Odin saya ikut di sana, ir marga berodo, ir kuliah denda. Bayi kuru mana yang melukul gicina? Ida ino la sabul bungora, ino lukul gicina. Wara buki no yane, tsuchi o katamete tsukutta tsukue, isu. Moji dori.住民による手作りの学校でした。Quand j'étais en première année, nous n'avions ni table ni chaise. Ne pouvant supporter cette situation de la population du village, nous avons fait des tables et des chaises en banco. Ils étaient un peu chaotiques, mais suffisaient pour prendre des notes. J'étais très content. Tous les enfants du village étaient rassemblés dans la salle de classe. On a commencé à parler le français et écrire des lettres. La plupart des enfants étaient leur première expérience. Comme les villageois nous ont soutenus en nous offrant des logements et de la nourriture, nous avons pu faire notre travail sans se soucier de commentVivre et aussi avec l'enrichissement du matériel pédagogique et des fournitures scolaires, et on a senti qu'on faisait vraiment un travail qui en valait de la peine. そして住民による支援は。ものだけにとどまらず、グループ学習や補習など学習改善に向けた取り組みも行われました。Grâce à une relation de confiance croissante entre la communauté et l'école, la population a commencé à s'impliquer activement dans l'école. Je vais actuellement au lycée de Kokranta.Plus j'apprends, plus j'ai de plaisir à étudier. Un jour, je deviendrai un médecin. Et en travaillant pour le pays, afin de le servir. Ça va? Maintenant, je travaille en tant qu'infirmière dans un dispensaire. Le taux de mortalité infantile du Niger est encore élevé. Mon second rêve est de sauver le plus possible ces petites vies.Nai babban guri na ya cika tunda diyata yanzu ta san likita tana taimaka min tana taimaka min kauyen mu duka gode na ji dadi na yi farin ciki eh na yi murna kama inscrit à l'école je ne pourrais faire de l'une comme des verres de terre
Mais après avoir appris beaucoup de choses à l'école, je suis arrivée à écrire mon nom, faire la dessin, lire les livres, élargir de plus en plus mon univers. Et j'avais un rêve. C'était un rêve que je ne pouvais jamais me permettre avant d'aller à l'école. Pour cela, j'ai beaucoup travaillé. Et 10 ans après cette époque où je ne savais même pas écrire mon nom, j'ai enfin réalisé mon rêve. J'ai voulu être enseignante. Et maintenant, c'est le tour de ses enfants. Commençons la leçon. これまで4万校にも及ぶみんなの学校モデルを西アフリカ地域に普及させたみんなの学校プロジェクト。地域住民、学校関係者、行政など学校を取り巻くみんなが一体となり、大勢の子どもたちに学びの場を提供してきました。そして子どもたちは多くのことを学び、視野を広げ、将来の目標を見出せるようになったのです。みんなの学校プロジェクトは、教育へのアクセスや質の改善によって、子どもたちに夢や希望を与えるとともに、学校を取り巻く人たちの信頼のネットワークを形作っています。